Marie. Tu ne vas pas le faire, non.
Non, venez. Venez la décentralisation dans le cadre. Thank you.
Thank you.
proposition encore de vous de bien vouloir venir s'installer parce que les officiels sont arrivés et nous allons commencer la conférence d'un instant à un autre. Et je voudrais aussi demander l'indulgence des uns et des autres de façon à ce que nous puissions réserver un accueil chaleureux à tous ces officiels-là qui vont entrer. Et nous souhaitons qu'on puisse les ovationner à leur entrée. Merci pour votre compréhension. Donc tous ceux qui sont encore debout, qui acceptent de bien vouloir s'asseoir, il y a encore de la place dans la salle. Merci. Nous avons ensuite le président du Conseil économique et social, le maire de Sinematiali, le maire de la commune d'Agamé, le directeur de la décentralisation et bien d'autres invités qui nous accueillent. Donc merci d'être ovationnés, ce sont nos invités et nous voulons leur donner un accueil chaleureux. Merci d'être ovationnés, ce sont nos invités du jour et ils sont vraiment à l'honneur. Nous prenons l'honneur d'être présents avec nous ce matin pour le président de la cérémonie de studio. Merci encore une fois, merci. Et c'est du numéro. Nous prenons merci de nous accueillir. Nous sommes les équipes du groupe et ils sont vraiment à l'honneur. Nous prenons l'honneur d'être présents avec nous ce matin. Pour les résidents de la cérémonie de Sibou. Merci, encore une fois, merci. Et c'est une occasion de les ovationner. Encore merci. Nous demandons l'attention de tout le monde. Monsieur le président du Conseil économique et social, monsieur le maire de Sinematiali, monsieur le maire de la commune d'Adjamé, monsieur le président du conseil d'administration du groupe CIS aussi, monsieur le directeur de la décentralisation et développement local, madame Fekessé, madame Thérèse Ori, madame Kindo, chers aînés, chers parents, chers frères et sœurs, distingués invités, mesdames, mademoiselles, messieurs, il m'est particulièrement agréable de prendre la parole au nom du comité d'organisation de la MIDES Mwangi pour vous saluer avec déférence et vous accorder les honneurs que vous méritez. Je voudrais par ailleurs
nous excuser d'avance pour le retard avec lequel nous commençons cette cérémonie et demander votre clémence et votre indulgence pour les désagréments que nous pourrons subir en raison de certains erreurs d'organisation. Ensuite, je vais vous présenter le programme de la cérémonie. Il s'agira d'abord d'écouter le mot de bienvenue du président de la MIDES. Ensuite, nous allons assister aux allocutions. Des personnalités vont se succéder à cette tribune pour livrer un message. Il s'agira notamment du maire Adjamé, du directeur général de la décentralisation du développement local, du maire de la commune du Cinéma Thiali, et enfin du président du Conseil économique et social. À la suite de ces interventions, nous allons donner la parole au président du Conseil d'administration du groupe CIE-CEDECI, M. Zali Kessé, pour prononcer la conférence. Au cours de cette conférence, nous aurons bien entendu un échange. Donc, il y aura une série de questions-réponses. Il s'agira pour nous de faire en sorte que cela soit une contribution ou un ensemble de contributions positives dans le sens du développement que nous appelons de tous nos voeux. Ensuite, nous allons, à la fin de cette cérémonie, offrir un cocktail et terminer par une prestation de danse traditionnelle. Donc voilà ainsi présenté le programme de la cérémonie du jour. Donc je voudrais à présent appeler le président de la MIDES pour livrer le mot de bienvenue. Mais avant cela, je demande la permission pour m'adresser à nos parents, ce nouveau, qui ont effectué le déplacement. Seigneur, lève-le-moi, tu vois, et Sari. Oui, comment avec le nomin, on va attendre autant. Tiens, on doit pas dire au terrain, oui, hein. Quand maintenant, il faut avoir un gré, ou le texte, le voyage, non. Oui, car sinon, tu as le tâtement, c'est le voyage, non. Monsieur le Président, la MIDES. Monsieur le Président Fonogo, président du Conseil économique et social, Monsieur le Président Thiboko, PCA de la RGBC et maire de la commune de Cinéma Thiali, Monsieur le maire de la commune d'Adjamé, Monsieur le Président Zali Kessi, PCA du groupe CIE-CEDECI, Monsieur le directeur général de la décentralisation et du développement local, Mesdames les présidents Thérèse Houry et Guido, Messieurs les présidents des mutuelles de développement, chers parents du département de Cinéma Thiali, Mesdames et Messieurs, honorables invités, en ce jour historique, j'ai ainsi le privilège et le grand honneur de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue à la cérémonie organisée par la MIDES Roman Oni, mutuelle et cadre du département dont l'objectif est de contribuer au développement de notre région.
Je voudrais avant toute chose m'acquitter de mes devoirs agréables. Celui qui est scellé en mon nom et au nom de tous les membres de la milice, notre fière et profonde gratitude à Monsieur le Président du Conseil économique et social et à Monsieur le maire de la commune de Sylvain-Tiani. Monsieur le Président Folego, Monsieur le Président Tshibombo, malgré vos contraintes personnelles et vos agendas que nous savons très chargés, vous n'avez pas hésité un seul instant à accéder à notre requête de co-présider cette cérémonie. Mais à la vérité, nous ne sommes guère surpris de cette grande sollicitude. En effet, nous connaissons tous votre grand intérêt pour tout ce qui touche au développement du département de Sylvain-Tiani, œuvre à laquelle tous les deux vous consacrez vos efforts et toutes vos énergies depuis deux décennies. Votre présence parmi nous ce matin est donc une preuve supplémentaire, s'il en était encore besoin, de votre total engagement pour cette noble cause. Permettez-moi donc, Monsieur le Président, au nom de toutes les personnes ici réunies, de vous renouveler notre profonde reconnaissance. Monsieur le Président Zani Guessi, PCA du groupe CIE Sodesi, vous nous avez fait le grand honneur de venir partager avec tous les cadres de notre département votre vision et votre grande expérience en matière de développement local. Monsieur le Président, votre expertise avérée en la matière n'est plus à démontrer, tant elle est reconnue et recherchée aussi bien au plan national qu'au plan international. Mais bien plus, parmi les nombreuses et quotidiennes sollicitations dont vous êtes l'objet, vous avez choisi de venir ici auprès de vos frères et de vos enfants du département de Sylvain-Tiani. Nous mesurons donc l'importance de votre présence ici ce matin et nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Monsieur le maire de la commune d'Atané, vous avez toujours été à nos côtés chaque fois que nous vous avons sollicité. Vous étiez là lors de la création de notre budget. Vous êtes encore là ce matin. Je voudrais donc vous saluer chaleureusement pour le grand honneur que vous nous faites, malgré vos éminentes charges. Merci, Monsieur le maire. Je voudrais également réserver une mention spéciale à mon ami et frère, Monsieur le directeur général de la décentralisation et du développement local, à qui je vous demande de réserver une ovation particulière. Monsieur le directeur général, votre présence traduit l'importance du rôle d'accompagnement que votre structure accomplit dans la mise en œuvre du développement local. C'est pourquoi nous sommes heureux de partager avec vous les réflexions de ce jour et d'entrevoir, à travers votre présence ce matin, une bienveillante attention aux préoccupations de notre budget. Merci, Monsieur le Directeur Général. Mesdames les Présidentes Thérèse Souri et Kinoa Sandoa, depuis des années, vous vous attelez à semer le bonheur dans les couches sociales les plus démunies.
veuillez accepter de recevoir ici nos vives et sincères remerciements. Mesdames et messieurs, honorables députés, à vous tous qui avez accepté de nous sacrifier un peu de votre temps, je voudrais vous dire grand merci de ce soutien inestimable. Votre présence massive ce matin, au-delà de l'éclat particulier qu'elle confère à notre manifestation, témoigne à nos yeux du grand intérêt que vous portez au progrès de notre région. Elle traduit surtout notre volonté commune de relancer la dynamique engagée par nos aînés et qui a permis à Slimane Tchali de connaître ses lettres de noblesse. Il s'agit aujourd'hui, au regard de la vie actuelle, d'explorer ensemble, aux côtés des aînés, des autorités, des stratégies novatrices, fondées sur la participation de tous, sur la contribution de tous pour la relance du développement de nos départements. En ce qui nous concerne, nous, membres de la mutuelle Mudes Omaoli, nous avons décidé de créer cette dynamique, d'unir nos forces et nos petits moyens pour participer à notre humble niveau à la réalisation de cette grande œuvre. Dans ce cadre, nous avons organisé en décembre 2010, avec le soutien de notre marraine, Mme Kessé, avec le soutien de Mme Kido et de certaines organisations, nous avons organisé, dis-je, une cérémonie de remise de dons d'une valeur de 50 millions aux différentes structures administratives, scolaires, sanitaires et socio-culturelles du département. En 2009, la mutuelle a obtenu la réhabilitation et l'équipement par l'organisation Save the Children Suez, des écoles primaires de Nakuru et de Bawata pour une valeur de 30 millions, dont la remise des clés ont eu lieu le 17 avril dernier. Nous avons bon espoir que l'école de Sidjoko, dont nous avons présenté le dossier, sera également retenu dans le programme de réhabilitation de cette ONG. Mais pour cette année 2010, nous avons initié d'autres projets importants qui nécessitent la contribution de tous. Il s'agit particulièrement de l'opération Un cadre, un banc. Un cadre, un banc, dont le coût est de 18 millions. Et qui doit nous permettre d'équiper les 25 écoles primaires publiques du département et le lycée municipal de Slimane Tchali en tablant pour la rentrée scolaire 2010-2011. À ce jour, de nombreuses contributions ont été faites par nos aînés et par les membres. Il s'agit également du projet de réhabilitation de 96 pompes villageoises, de pompes hydrauliques, dont le coût de réparation est estimé à 23 millions. Je voudrais donc, avec votre permission, lancer un vibrant appel à toutes les bonnes volontés, mais aussi et surtout à tous les ressortissants du départ, afin que chacun de nous se sente concerné par ces opérations et apporte son appui matériel ou financier pour la finalisation de ces projets. Mesdames et messieurs, chers parents, les attentes et les besoins sont immenses et concernent tous les domaines. Il s'agit de l'eau, de la santé, de l'éducation, de la production et de la commercialisation des produits agricoles, de l'habitat et de l'électrification rurale. Nous savons que les autorités administratives et politiques, ainsi que certains cadres de notre département, comme notre frère Souleymane Dougou, avec l'ONG Souleymane Dougou,
sans toi, à résoudre certains de ces problèmes. Mais quelle que soit leur volonté, ils ne vont jamais, seuls, apporter des solutions définitives à ces questions, tout comme nous le disions d'ailleurs. Au demeurant, maintenant que notre région est érigée en département, il est impératif d'engager avec tous les cas, toutes les forces vives, une réflexion globale, rationnelle, afin de définir ensemble des stratégies cohérentes et rationnelles, efficaces dans le cadre d'un développement local durable et harmonieux de notre région. Ce sont là les défis actuels. Et c'est ensemble que nous devons mener ce combat pour le bien-être de nos parents, pour le bien-être de nos populations. C'est dans l'union que nous serons plus forts. C'est le souhait, en tout cas, de la MUDES et de tous ceux qui sont ici présents. C'est notre grand souhait en particulier, en ce jour historique. Et je suis convaincu, nous sommes tous convaincus, que le président Fonogo, que le président Tshiboko, que le président Zati sauront, avec toute leur expérience et leur sagesse, nous enseigner, nous dire la parole qui guérit et nous montrer la voie à suivre pour le développement économique, social et culturel et le rayonnement de notre département. Que Dieu bénisse la MUDES au Maroc. Que Dieu bénisse le département de Simonetti. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous remercie. Monsieur le conférencier, PCA de Chaudessy, CIE, Monsieur Jean-Luc Sébastien, Monsieur le Président de la MUDES, Monsieur le Directeur Général de la Décentralisation, Mesdames et Messieurs, membres de la MUDES, population et ressortissants de Sénébatiali, honorables invités, Mesdames et Messieurs. À mon nom personnel et au nom du Conseil municipal d'Adjamé, la bienvenue à Adjamé est notre joie pour avoir accepté de tenir votre conférence de ce jour dans notre commune. Merci à vous pour ce honneur. En effet, la réflexion de ce jour sur Marouilly insufflera à coup sûr un élan accélérateur sur la région tant le terme est, on ne peut plus l'actualité. Et tant surtout, le choix du conférencier, les mérites PCA de Gourde, c'est ce défi, le frère Zadi est en soi une réussite. De ce choix, je suis sûr des stratégies qu'il va tout à l'heure développer si les martialis peuvent se sentir sur les chantiers du développement durable à travers la MUDES. Bel exemple que vous donnez aux régions du Grand Nord de ce pays et ont tant besoin de stratégies de développement pour nos populations. Puisse-la servir et permettre aux autres fils et filles des autres régions d'aller à votre école. Celle de la solidarité et du bien-être des populations restées sur place. Je vous remercie et surtout, longue vie à la MUDES pour un cinéma qui toujours tourné vers le développement. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous protège. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire de la commune d'Adjamé.
nous allons accueillir au niveau du contenu de son message. Aux élus locaux en vue de la prise en compte
de ces difficultés dans le cadre de la programmation des opérations de développement. Mesdames et messieurs, chers frères, chères sœurs et signataires, je voudrais achever mes propos pour vous prier de reconnaître et de saluer le mérite des anciens, symbolisé ici par le président Laurent Nafolo, qui ont su lutter pour faire de Simbatali ce qu'il est aujourd'hui. Partis certainement d'un petit village, ils sont parvenus à en faire une sous-préfecture et aujourd'hui des barons. Plus barrières et mille, cadre, population, jeunes, sachez que vous bâtirez sur des fondations solides qui le sont. Je vais parler du président Provo, du président Thiemo Kouyadé, de maître Sarasou Yassine. Sachez qu'ils ont pu, à force de travail et de conviction, ils ont su mettre en place pour vous faciliter la tâche un dispositif. Soyez habités par l'humilité. Vous puisez sans honte dans l'immense expérience des hommes que je viens de numérer ici, de les citer ici, car ils ont accumulé au cours des années de l'expérience. Pour ce qui me concerne, je puis vous donner l'assurance que je me tiens entièrement à votre disposition pour tout appui institutionnel qui vous plaira de solliciter. C'est sur cet invite, mesdames et messieurs, que je voudrais clore mon propos et souhaiter que de ce débat, qui sera animé par quelqu'un d'une autorité nationale et internationale, quelqu'un qui a fait ses preuves en matière de développement local, je veux parler du PCA, M. Zadi Kessi, de la ministre. Ceci se trouve donc que je voudrais souhaiter que le partenariat qui va être débouche sur un développement harmonieux et rapide du nouveau département de Simbatali. Je vous remercie. Alors, merci donc au directeur de la présentation. Et nous allons accueillir à présent le maire de la commune de Simbatali pour livrer son message. Je vous demande de vous rassembler. Mon ami de toujours.
et pour tous mes parents réunis ici, Dieu vous salue. Vous savez, tous les cadres qui ont fait le déplacement pour cette importante réunion. Je voudrais tout simplement vous délivrer un message d'encouragement. J'avoue que moi, c'est un véritable plaisir. Quand j'entends le président de la Dies, je m'entends à son âge. La détermination qu'il affiche pour le développement du Seigneur Jésus, c'était la même détermination que nous l'habitions à l'époque. Cela ne fait qu'à la distance. Elle existe toujours. Et c'est pour ça que nous saluons l'initiative de la MIES et nous encourageons la MIES. Je crois qu'en ayant créé la MIES pour impulser un nouveau développement du département de Saint-Étienne, ils ont fait œuvre très utile. Je dis très utile parce que il ne faut pas se voir la face. Développement, il y avait à Saint-Étienne. Mais le développement était loin d'être coordonné. Et si par la MIES, on peut arriver à une certaine coordination avec une orientation de développement, c'est une très bonne chose. C'est ça que je dis. Et je crois que la MIES va dans le bon sens. En invitant, je les invite ici, à venir faire cet exposé, je crois qu'ils ont fait un très bon choix. Le choix d'un homme qui a œuvré de tout temps pour le développement de sa localité. Et son action dans ce domaine fait l'école. C'est pour ça que vous aurez vraiment grand intérêt à écouter le message qui va vous délivrer. Mais je suis ici aussi pour remercier l'ami Tadjik ici. C'est une amitié de 40 ans, mais une amitié solide. J'avais fait un indéfectible, mais c'est moi qui l'ai dit, hein. Il pourrait être une enquête de confiance. Alors, je dois le remercier parce que, effectivement, le problème de l'eau a été un problème très important à Saint-Étienne. Et dès que j'ai pris la responsabilité de la commune, c'est le premier problème auquel je me suis attaqué. Et j'ai vu mon ami, il a dit ici. Et je lui ai dit, s'il y a quelque chose que je dois faire pour moi maintenant, c'est de donner l'eau à la population de Saint-Étienne. Il n'y a pas de problème. Je vais m'y attacher. Et c'était déjà en 2002. Et en 2002, il a envoyé des équipes pour faire des forages, pour effectivement une nappe suffisamment importante pour alimenter toute la commune de Saint-Étienne et même au-delà. Tous les villages de Saint-Étienne et même au-delà. Une première équipe est venue, elle a fait quelques recherches. Je crois qu'il y a des témoins qui sont là. Et malheureusement, ils sont repartis en disant qu'il n'y a plus de nappe à Saint-Étienne. Or, il y avait un problème, c'est que finalement, pour trouver la nappe, ben, il fallait qu'on ait des gens, des sachants. Des sachants, c'était les sages du village de Saint-Étienne. Et pour cela, il fallait faire un certain nombre de cérémonies. Ben, c'est ce que nous avons fait. Et il a envoyé une deuxième équipe. Et cette deuxième équipe est venue à chercher et à trouver l'eau à zéro. Bien, l'équipe de forage était dans la région de Bouna là-bas. Et après Bouna, elle devait venir sur Saint-Étienne pour faire le forage en 2002. Malheureusement, la guerre a éclaté et ce projet effectivement est resté inachevé. Quand je suis revenu, j'ai encore vu M. David Bessy qui lui dit ah, il faut continuer à nous aider. Maintenant que l'accord de Ouaga a été signé, la possibilité de partout,
quand je trouve des c'est ce qu'il a décidé de faire. Et avec son appui et l'appui du ministre Patrick Hachim, qui a accepté de dérouter la conduite qui devait ramener l'eau à Bobo, dérouter pour passer effectivement à Saint-Michel pour ce niveau. Il a accepté une fois une station installée à Saint-Michel. Malgré les difficultés de la société, de dégager les moyens nécessaires pour que l'eau arrive au château de Saint-Michel, et c'est pour ça que nous devons l'eau à Saint-Michel aujourd'hui. En même temps au ministre Patrick Hachim, qu'elle attend là-bas pour les remercier de ce qu'ils ont fait. Et le jour de la fête de l'eau, nous aurons encore le plaisir d'accueillir M. Bertessi et M. le ministre Patrick Hachim à Saint-Michel pour leur rendre hommage. Bon, je ne peux pas aller très loin parce que vous savez que j'ai des contraintes personnelles. Cette contrainte personnelle qui ne peut pas aller très loin dans le développement des actions que nous devons plus mener, que nous devons mener pour le développement de Saint-Michel. Mais je dois dire que je dois remercier le président Foucault. Son action a permis l'élection de Saint-Michel en département. Mais je pense qu'il y a beaucoup à attendre effectivement de cette élection. Et tous ensemble, si vous permettez, on se met au travail. Nous devons faire un grand pas pour le développement du département de Saint-Michel. Voilà. Je crois que j'ai sa posture à cette fois. Et je voudrais m'excuser auprès du président de la région. Et lui demander peut-être la permission. Parce que vous savez que il y a d'autres obligations familiales qui m'attendent. Je sais que sa conférence sera d'une extrême densité, d'une qualité exceptionnelle. Et je m'en vais à cette conférence-là. Je vais lui demander de l'excuser et d'accepter effectivement que parce que je n'ai pas la quintessence de ce qu'il va vous dire. En tout cas, merci. Merci d'être venu. Merci au président de la Média de m'avoir associé. Et plein succès à vos travaux. Donc, merci bien, M. le maire, votre cher Laurent, vous tenez, qui a livré un message fort. Nous le remercions. Nous demandons de revenir encore au chef de l'État. Alors, nous attendons à présent notre cher Laurent, le président du Conseil économique et social, pour nous livrer son message. Côte d'Ivoire et maire de Saint-Michel,
chef de frère, Djemogo, Yadé, Koulibaly. Je voudrais, les jeunes dragons, en mettant devant ceux qui nous ont fait venir ici ce matin, c'est-à-dire le président Lamides et tous ses camarades, tous les membres de son bureau et tous les membres de la MIGEN. Au nom de vous tous, je voudrais saluer et remercier, après le frère Djemogo, M. Tali, M. Tali Kessi. M. Tali Kessi, tout le monde lui court après, parce qu'il détient les clés de la vie, c'est-à-dire l'eau. L'eau et l'électricité. C'est un grand honneur pour vous qu'il ait accepté de venir ici ce matin. Comme l'a dit le président Koulibaly, nous sommes de la même génération, vous le savez. Ils ont une amitié de 40 années. Je peux dire que, sans pouvoir la qualifier d'amitié vraiment, mais disons, nous connaissons depuis à peu près la même période. Lorsque je suis arrivé à Salzbourg pour la première fois en France, Thibault était à Paris et Zabi était à Salzbourg. C'est un des premiers Ivoiriens que j'ai rencontré en France à Salzbourg. Je faisais en ce moment à l'école des ingénieurs de génie civil, sa formation. Donc il y a vraiment longtemps, 1961. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés. Je voulais donc vraiment le saluer. Je remercie beaucoup de ce qu'il voudrait avoir. Parce que là où il passe, on pense que l'eau va passer et que l'électricité va passer. Donc, il voudrait pas l'avoir. Tout le monde voudrait l'avoir. C'est pourquoi je voudrais vous féliciter, vous les jeunes de la jeunesse, d'avoir pu le décrocher. Je ne sais pas comment vous l'avez fait, mais je vous félicite. J'exprime notre reconnaissance à M. Dabi aussi parce que j'ai eu l'honneur et le plaisir de passer deux nuits à sa maison dans son village. Donc lorsque vous parlez de développement local, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore vu ce village-là, il serait bon si vous en avez la possibilité d'aller le voir. Parce que c'est bien qu'il vous en parle, mais c'est bien aussi d'aller le voir. Et posez-lui tout à l'heure beaucoup de questions pour que vous allez vous dire à ce matin pour notre département. Je voudrais donc en votre nom le remercier d'avoir accepté de vous rencontrer, de parler un peu à vous. Nous nous sommes associés volontiers à votre invitation, d'abord pour vous encourager, comme l'a dit Djemogo, vous encourager, pour aussi dire à tous ceux qui vous observent que vous n'êtes pas seul, vous avez quelques racines qui sont à côté de vous. Nous sommes votre cœur. Vous devez pouvoir vous appuyer sur nous pour avancer. Djemogo, moi-même, sur le professeur Sarasso, avocat, et tous vos alliés. À ce niveau-là,
sans pouvoir parler trop longtemps, parce que c'est l'année que vous allez l'entendre, pas moi. Je voudrais que vous ayez aujourd'hui, en ces lieux, pour tous ceux qui nous ont précédés, nos aînés, les cadres, ceux que nous avons connus en sortant de l'école qui travaillaient déjà. Après les scénarios, les députés, vous le savez, avec tout le groupe, le Oumar, Mamadou, Bakari, Lamine, Ouattara, le Pinka, et bien d'autres. Aujourd'hui, tous sont partis. Le dernier en date, je crois que c'était Daniel. À l'heure où nous parlons, nous avons un de nos vieux qui est là-bas, qui n'est même pas encore enterré. C'était le premier de tous, le vieux Pierre de Moulin. Je crois que vous le savez. Je voudrais que nous pensions à tous ceux-là qui ont fait ce qu'ils ont pu avec le petit bagage qui était le leur. Et nous essayons, nous avons essayé, comme tout le monde l'a dit, à notre tour, avec Salassoro, avec Yéti Edouard, à son âme, de prendre la relève. Nous l'avons fait de 1965 à 1975. Nous avons créé la DECI, l'Association pour le développement de la sous-préfecture de Saint-Médiali. J'ai beaucoup aimé le président. J'étais le secrétaire général. Les réunions se faisaient tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre. Et souvent, même après les thématiques, il y avait la place. C'est en ce moment-là que nous avons créé la vigile pour la construction que présidait le frère Salasso. Et c'est en ce moment-là que nous avons pu faire quelques pas pour le développement de ce pays. Hélas, à partir de 1975, nous avons connu des difficultés. Parce que pour la première fois, nous devions désigner un député à ce pays. Ça n'a pas été facile. Aussi normal que nous n'en avions. Nous n'en avions pas, ça marchait très bien. Mais dès que les circonscriptions ont été créées, nous avons eu des difficultés. Nous ne sommes pas là pour parler de ça aujourd'hui, nous en parlerons une fois. Si j'en parle, c'est pour insister sur un seul point. Je suis sûr que vous avez les armes nécessaires pour développer le département des intérêts. Si nous sommes département, il ne s'agit pas de savoir grâce à qui on a été département, comment ça s'est passé, laissez ça. Ce qui est important, il y a des départements. Le décret est là. C'est un cadre dans lequel vous devez travailler. Ça suffit. Nous n'avons jamais demandé qu'à créer la sous-préfecture. Pourquoi ça passe hein, Carapour, allez. À des villages, dans ce matériel, du côté de Namunga, là-bas, vers Gorodou, Nouatenda, on ne sait pas trop où s'arrête la sous-préfecture de Gorodou et cette zone-là. Laissons ces choses-là comme ça pour le moment. Vous avez le département, il est reconnu par le gouvernement, vous avez un décret, il s'agit de travailler. Et c'est pourquoi je m'en vais vous féliciter, avant de partir de cette tribune, des initiatives que vous avez prises. Mademoiselle Guido, c'était ma secrétaire. Aujourd'hui, elle a eu une G. Et la première chose qu'elle a fait, c'était d'aller à Saint-Métalie, dissiper les kits, presque dans toutes les écoles. Aujourd'hui, elle est venue à travers le monde entier. Elle vient d'être invitée à Genève. Pour le développement rural,
prisonnier. Et tout bien dit que vous pouvez y arriver en travaillant ensemble, comme l'a dit. En tout cas, c'est ça. Ce qui manque à ce métier, ce ne sont pas les cerveaux, ce ne sont pas les cadres, ce ne sont pas les spécialités. Nous avons des ingénieurs, nous avons des professeurs, nous avons des avocats, nous avons des banquiers, nous avons. Dieu nous a donné beaucoup de cadres. Dans la région, notre département est l'un de ceux qui disposent des plus grands cadres. C'est une réalité. Ce qui nous a fait défaut, c'est l'union. Comme il a dit, c'est l'union. C'est-à-dire coordonner nos actions et aller ensemble, chacun apportant ce qu'il sait faire et ce qu'il peut faire. C'est ça que nous avons dit. La plaie, elle est là. Quand je vous ai reçu pour la première fois, je vous ai dit, je souhaite que vous réussissiez là où nous nous sommes arrivés. Je souhaite que vous réussissiez là où nous avons échoué. Je vous l'ai dit clairement. Et bien, je le répète aujourd'hui. Il s'agit de Mahouki ou de Trenon, toutes ces structures qui aident les populations peuvent travailler ensemble. Ça n'empêche pas que chacun ait ses opinions, que chacun ait son parti, que chacun ait sa religion. Ça n'a rien à voir avec le développement local. Ce qui vous dirige et mettez pour votre travail, vous l'avez déjà commencé, je vous ai félicité, monsieur le président. Nous sommes là pour vous appuyer et nous vous appuyons. Je voudrais avant de partir, saluer Mamadou Soro, le chef de ce monde. Vous êtes à découper, il est entouré de tous ces notables. Vous voyez, ils sont en uniforme. Plaisir. Et j'ai dit tout à l'heure au président Zali, vous voyez dans cette salle, il y a les intellectuels, mais il y a aussi la racine, les cultivateurs, les gens du village. C'est pourquoi ils sont dans cette lutte. C'est pour eux que nous devons travailler, nous qui avons été à l'école. Je n'en dirai pas plus. Je prie Dieu. Qui vous assiste lui-même. Que toutes les actions que vous entreprendrez réussissent et que le virus de la division ne vous pénètre pas. Restez unis. Toutes les organisations de développement font la coordination et ce qui va permettre les départements, c'est justement cette coordination. Nous étions dans un département qui avait 13 sous-préfectures. Aujourd'hui, pour le moment, nous sommes une sous-préfecture. Cela veut dire qu'avec des moyens, si toute chose reste égale, vous devez pouvoir réaliser beaucoup de choses, très de choses. Je souhaite un succès à vos travaux et je vous demande d'ouvrir les oreilles pour écouter, entendre et comprendre le président Zali Kessi. Merci. Il y a longtemps qu'on ne s'était pas vu comme ça tous ensemble.
c'est très beau et nous tenons à vous féliciter, vous les jeunes. On dit que le père montre la route à son fils, mais il arrive que le fils montre aussi la route. Bien montrer que le jour de ce jour est béni, c'est qu'aujourd'hui même, le président Yahvé nous a invités pour le mariage de sa fille. Tout à l'heure, s'il a demandé l'autorisation de ne pas rester trop longtemps, c'est parce qu'il est obligé d'aller préparer ça. Donc, il vaut mieux que je vous dise la vérité, ce n'est que ça. Nous avons dit, si nous terminons à temps ici, nous allons directement, en tout cas pour ceux qui sont invités, au mariage. Et après le mariage, je prends la vie ce soir pour une autre mission. Vous voyez, là, on a tout à faire. Alors, nous prions pour vous, priez pour nous. Monsieur le Président, chers mentors, ne partez pas, nous avons une surprise pour vous. Monsieur le Président, nous avons une surprise pour vous. Encore une fois, nous voulons saluer les officiels. Monsieur le Président, chers mentors, nous avons une surprise pour vous. Et nous souhaitons distinguer certaines personnes qui ont œuvré au développement du département. Et nous vous demandons de venir encore ici pour donner, n'est-ce pas, des cadeaux, et le premier cadeau que nous allons vous offrir, ce sera le cadeau au maire de Simon Djali, et je vais votre frère de Montréalé, nous demandons de bien venir jusqu'au début. Monsieur le Président, Monsieur le Président, en tout cas, nous demandons de bien ce cadeau au maire de Saint-Étienne pour vous faire le bon sens. Il y a aussi un cadeau. Voilà. Bon, ensuite, la photo. Vous remercie pour toutes les actions en faveur du développement de notre région. Je vous adresse ces félicitations. Signé le président. Donc, le second tableau, sur le second tableau, il est écrit Monsieur Koulibaly Thibault Koyade, la mutuelle pour le développement économique, social et culturel du département de Sénégal. Mides Womaobi, vous remercie pour toutes les actions menées en faveur du développement de notre région. Je vous adresse cette félicitation signée le président. Merci. Merci. Bon développement.